frères, sœurs et amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Ma créance, c'est un autre privilège que moins gagnant pour moins capable porte-parole, le roi de rois, le Seigneur des Seigneurs, pour nous-mêmes qui la créons et pour l'autre auditeur et suiveur qui a perçu nous pour moyen de l'Internet. L'époque que nous avons célébré là, c'est l'époque de fête. Et pour nous-mêmes, nous étions ici, et nous avons dit, c'est toute année à qui on est de fête. Par contre, dans la vieille église là, c'est une année où on était aussi fêté dans l'année 2017. Là. Donc, nous allons dire louange, nous allons dire gloire et nous allons continuer à adorer lui pour grâce et bénédiction que lui m'a nous. Jodhia, c'est 51e dimanche, l'avant-dernier dimanche de l'année. Dans l'époque ça, nous tendons en pile étude et des sermons, des messages instructifs, édifiants, qui imposaient à nous-mêmes nous voulons décider. Parce que Noël, Anissa, c'est un Noël de gloire qu'il y a. Maintenant, titre n'a pas méditation pour quelques minutes, c'est Noël, la joie de la rédemption pour l'évangélisation. Noël, la joie de la rédemption pour l'évangélisation. Nous ferons aller de joie et de contentement. Il y aura année d'études, de messages que nous et réunion de prière, on fait méditation chaque jeudi, ou dans l'étude biblique, dans l'école du dimanche, la prédication, tout est centré autour de la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, nous voulons encourager et pour nous dire, fête des sangs de Jésus, c'est une fête de joie qui est, et toute joie des Chita dans l'heure de la rédemption de Jésus. C'est parce que Jésus est venu, il est venu. Pour nous faire yon matin. Faire la volonté papa. Et volonté papa, c'est que le monde qui croit dans Jésus-Christ pour bien la vie de papa. Car Dieu a tant aimé, moi-même avec vous, et tout le monde qui l'a donné, Jésus est le don. C'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. N'importe notre qui quoi. Et Jésus, il dit clair, non, Luc 19, verset 10, en tant que le fils de l'homme, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous avons plusieurs passages devant nous. Nous ne pouvons pas prendre pour nous lire,
Mais tout ça nous vient pour nous dire, à exception rare, l'Ichita sous l'évangile selon saint Matthieu, qui parlait de Jésus comme roi, et sur l'évangile selon saint Luc, qui parlait de Jésus, présentait Jésus comme fils de l'homme. Comme c'est l'époque de célébration que nous vient, et nous dit, c'est une célébration de joie, joie de la rédemption, joie pour tout le monde qui est déjà racheté, déjà, qui fait l'expérience de la nouvelle naissance, avec la mission de partager cette joie à ça et filaire qui peut pas connaître. Donc, on dit, la naissance de Jésus, le Rédempteur, lui entraîne implication, participation et une quantité de personnages, tels que l'ange Gabriel. Nous connaissons les tels que Marie, Joseph, l'ange qui était annoncé à Élisabeth, naissance-là, by confirmation à Marie, Élisabeth lui-même, plus tard, l'ange qui était annoncé au berger et la multitude d'anges, l'armée céleste, qui a chanté, qui a loué, qui a célébré les bergers, les mages, Siméon, Anne, Hérode, autant de personnages importants que naissance ça, pas te quitter indifférent et qui te gagne un rôle pour te jouer. Et qui portait la joie à tout personnage sérieux, à l'exception de Hérode. On a pris le temps pour nous parler sur tout. Tout en année, pas assez. Mais n'oubliez pas d'attirer l'attention sur quatre noyaux pris deux à deux. Les noms gardés à Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à 25. Passage que nous tous connaissons déjà, que nous ne prétendons pas prendre pour nous lire, mais nous avons pour lire la carrière pour Élie. Et pour aller méditer sur lui. Si nous lisons la Galilée dans Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'à verset 56, si vous regardez dans Luc, chapitre 2, pour l'histoire et témoignage de Siméon lors de la présentation de Jésus au temple, n'a pas été gagné occasion de joie. Et dans le sens où l'autre, c'est une bonne affaire qui était faite. C'était joie. Joie des disciples, joie que le Pâques. Ou pas qu'à contrôler, mais c'est une bonne nouvelle de tête chargée. Fiancé d'un homme sérieux, l'y trouver pour les enceintes, c'est pas bon avec ça. Et d'après Deutéronome 22, verset 20 et 21,
toute vieille fiancée qui t'a trouvé commerce, infamie pour t'a tombé dans relation sexuelle. Voilée, dévoilée, destinée, c'est propre parents, papa qui vous présenter devant les officiers, les anciens du peuple pour l'assister et constater qu'on a crasé petit fils ça parce qu'il commet un mal porté dans la famille et un mal porté dans le peuple. Ça veut dire la virginité de ton bagage qui n'a pas gagné une négociation, la vérité. Non négociable. Ce n'est pas très facile. Lorsque Marie, dans des bonnes nouvelles, ça, il m'a dit, comment ça fait? Comment ça fait? Mon fiancé, c'est vrai. Mais nous ne vivons pas dans le sexe. Parce que ça ne va jamais faire. C'est le premier bagage qu'a fait dans l'histoire. Ça ne va jamais exister. Imaginez, on est en place. Marie. Bonne nouvelle, c'est vrai. Mais on nouvelle tête chargée. Ça m'a pas dit maman, la papa. Ça m'a pas dit ménage-moi. Mais, tout côté bien tête chargée, avec le Seigneur, et en tête posée. Amen. On comprend. Et on guérit. Mais on ne peut pas faire un yen. Bonne nouvelle que vous avez pour moi, il dépasse tes chagrins. Sous quoi ça? Tout le bagage passe. L'elfe explique ça, c'est pas travail, garçon. Ça, c'est un travail qui fait ni garçon ni femme. C'est pour le travail sexe qui est lié. C'est un travail si là qui fait sexe. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance d'homme. Le roi accepter ça. Ça fait comme ça. Il dit, c'est ce vent c'est à venir. Qu'est-ce que ça fait? J'en dis. Donc, on liquide avec ce ange-là. Mais, ça va traiter là, non? Les regards dans Luc, immédiatement, ce ange-là, il dit de poser ça. Lui sauver. Lui partir. Et lui passera bien. Ou après. Côté, il dit, l'infini, ange la fine, dit-il causer ça, immédiatement après, il mettait dehors, la lienne dans montagne, là il a caille, yon, famille, Elisabeth. Est-ce que tu es quelqu'un maman ça, non? Mais il y a un bagage que nous croyons. Puisque c'est long vieille, il y a un bar contre un parent, sûrement. Il y a une façon pour te dire, puis il quitte l'allée. La vie partie qu'il t'a dévoilée pour toi. Mais c'est que l'allée. L'air est arrivé. Il passe à la bien en lui. À peine il est arrivé. Il saluait Elisabeth. Elisabeth était enceinte. Petite là, très sérieux de joie. Parce que Jean qui était dans votre lit,
qui ont petit miraculeuse tout, ont petit miraculeux tout, ils ont l'essence miraculeuse tout, parce que c'est mon unité dépassé l'âge. Zacharie avec Elisabeth, maintenant là, qui est petit encore, désespéré. Et puis, même là, Gabriel, lui dit, il prend la bouche d'Elisabeth, lui dit, où est-ce qui m'ont noyé? Pour moi, maman, c'est non, maman, sauve non, maman, rédempte non, viens visiter. C'était très rassurant pour Marie. Et Marie, l'arrivée dans le verset 56, dans le chapitre 1er de Luc, Noé, Marie, t'es passé 3 mois. Et après ça, il tournait la tête. Et pour cesser d'en retourner, la poêle, l'aide de la caille, pour la déclarer cousin. Il convaincu que d'un seul, parce que cet esprit, l'ange l'a confirmé sa fête. Mais quoi que nouvelle, il courait, parce qu'il s'appelait. Mais l'arrivée, il ne peut pas arriver à la caille, cousinière ou bien templier. Même pas la confirmation en fait. Après 3 mois, il est capable de conviction toute mauvaise, pas seulement par la foi, mais en réalité de l'enceinte, qu'on y a, il y a obligé la main, pour la côté, pour la découvrir. Comment ça fait? Nous ne pouvons pas. Mais c'est que maman, papa, composé. Et Joseph, lui, j'ai composé. La Bible pas dit comment tout va être fait. Même pas quoi. C'est maman Marie, papa Marie, qui t'a relé Joseph qui explique au causeur. J'ai l'impression que c'était responsabilité Marie pour différencier de ce qui passé. Et maintenant, parce que il n'est pas capable de Marie comme ça. Et voilà que. La caille au rocher, les Joseph qu'on est. Ça parle de vous, Joseph, non? Marie compte tout bagaille. Mais Joseph, pas trop compte tout bagaille. Les villes de la nouvelle là, il était vraiment tracé. T'as poussé des moyens à moi-même, nous t'as tracé aussi, pas vrai? Mais n'a pas l'aimé. Ou après l'enceinte, ce n'est pas pour vous. Et on connaît, d'après la loi, vous faites quoi le traser à votre proche. On vous remet. Est-ce que vous faites ça? Pendant la calculée, Matthieu dit c'était un homme de bien. Pendant la calculée, comment pour ne pas avilir, fils ça? Qui est dans cette situation ça. Comment pour sauver parents, j'ai fait ça. Mais petit ça, qui n'a pas le craser. Et lui-même, puisque c'est la loi, pendant la pour réfléchir comme ça. Un homme. Essayez toujours de messager. Et dire, on n'a pas besoin de père. Marie pour madame. Et on loi t'a pas le brisé. Et ce premier fois, ça t'a pas élevé. Parce que d'après coutume, non. Les monomariés, c'est fiancé au deux guerres. Un an. Chaque parent qui est petit en amont. Et c'est après un an, c'était Tesla ça, c'était examen ça. C'est après un an qu'on y a en possession pour Marie l'arrivée consommée. Mais le roi ça n'a pas obligé de briser parce que
Mais cet esprit de Dieu, c'est lui qui était au contrôle, lui qui était bailé droit, crasé. Lui-même, sans lui pas, violer les lois, mais transcender les lois. Et lui dit, ou même ta prince, mais ou pas faire sexe avec, jusqu'à ce que, si petit de la fête, lui encore vierge. Miracle, la vraie. Et ça a consolé Joseph. Et Joseph n'a pas hésité. Il dit obéi, il prend Marie. Et il prend toute responsabilité. Maintenant, c'était la joie. C'est pas peine encore. Parce que tous deux, ils ont convaincu que un plan de Dieu. Et ils ont une responsabilité noble. Donc c'est eux-mêmes qui objet de la joie pour tout ton peuple et pour l'humanité. Parce que c'est la même rédempte sa fête. C'est eux-mêmes qui appellent non. C'est eux-mêmes qui apprennent soin. Jusqu'à ce que ça t'ait dit sous l'homme il a compris. C'était une joie. Siméon avec Anne, nous étions en joie. Nous ne voulons pas de paix. Siméon, dans chapitre 2, lorsque Jésus était venu pour te présenter, parce que c'était coutume, non? Après 8 jours, Jésus était venu pour te présenter. L'Esprit Saint qui t'a annoncé que le rédempteur a été pour faire. Et lui, pas mourir sans Dieu lui-même, pas oué. Encore, divinement inspiré, porté par le Saint-Esprit de Dieu, dans l'entendre. Et c'est même joie. Joseph avec Marie. Tapoter le petit enfant. Et voyez quelle joie nous voyons que Siméon exprimait, chapitre 2, à partir du verset 25. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple et poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, mais il s'est trompé. Verset 26. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël. Quelle gloire, quelle joie de ce que il était devenu en ce temps-là comme sacrificateur, monde qui était venu pour te recevoir le Saint de Dieu. Pour te présenter. Et il dit, non, finis par ça. Moi, pour elle, tout ça, il dit. Il bénit Joseph avec Marie. Mais ça n'a pas fini pour Marie. Il était un message terrible
encore tête chargée pour Marie, qui t'a exigé que Marie, pas jamais oublié, première invitation et première confirmation. Et nous, au même, ou à témoin, bagaille terrible, y ont épée à trace. Avait dit d'avance. Il dit Jésus t'a vu, il y a un sujet de contradiction. Et nous disons ça dans Jean 19. Il était quoi? Tout ça te fait petite la passer. Et puis, là encore, il prend la capacité de la joie. Mais c'était une joie partagée, spirituellement, compliment, mais humainement, honnêtement, à maltraiter ou à crucifier, petit tout, qu'on connaît, qui est innocent, qui n'est pas coupable. Mais Jésus, il n'est pas venu pour te faire volonté, ni maman, ni papa, Joseph, son père nourricier. Il est venu pour faire volonté papa. C'est-à-dire partager l'évangile du salut. L'évangile salvateur. Et il était gardé pour moi. Il a regardé, il dit, femme, mes petites mains, Jean. Et il dit Jean. Mais maman que moi. Et puis on dit nous dans Jean 19. Et puis même ça. Jean t'a accueilli Marie, la caille. Anne, même bagaille, sous l'inspiration de cet esprit, en joie, il partageait la même joie avec Siméon. Sans crainte, sans tristesse, sans peur, parce que c'est ton promesse qui est accomplie. Il y a tant de choses qui sont ouvertes. Il y a tant de choses qui sont ouvertes. Il y a ouvert, il y a touché, il y a témoigné. Et il a quitté la terre avec joie, parce que ça, il y a tant de choses. Il y a ouvert. Mes frères, mes soeurs, mes amis, la joie de Noël, il lui est une joie partagée. Nous pas qu'à priver joie pour nous et pour nous seulement. Les anges la joignent, commission des bailles. Les juges joignent commission des bailles. Les mailles joignent, ils ont la vie. Et Jésus, l'Elvini, lui fait travail. Mais je t'aime dire, mes frères et mes soeurs, même gens, pour capable d'apprécier la santé, selon passer par maladie, pour apprécier manger une ventre plein, selon grand goût, et bien d'autres choses, pour connaître la joie de la rédemption. L'air ou pénétrer. Qui ça? Ça coûtait mon Dieu. Qui ça? L'écouter Jésus-Christ. Qui ça? L'écouter maman Jésus-Christ. Qui ça? L'écouter Joseph. Qui ça? L'écouter mon qui était envoyé. Elle dit, sort qu'on est. Elle dit, sort joint. Elle partage. Réponse à attendre, à dire son oui, à dire son connaît, à dire son goûter, ils ont pris pour payer. Amen. Certainement, au cas dit, ou découragé, parce que ça va attendre des petits doigts, c'est pas son joint. Ça va attendre des maoula, c'est pas son joint.
Ça t'a pas tant de madame, de mari. Ça t'a pas tant de voisins. Vous partagez l'évangile avec eux. Ça t'a tant de l'église, moi, de communauté, de pasteur, là. Ou pas de venir. Ou appuyer pour mon conversion depuis longtemps. Jusqu'à maintenant, ça va pas marcher. Ou appuyer pour un changement dans le monde. Au lieu où elle va changer, c'est plus mal ou après elle va venir plus mal. Ça va donner du courage aux années. Parce que, pas gagner rien de valeur, d'importance, qui va la souffrance là-dedans. Et je me dis ça une fois. Ma prévité, je fais expérience là pour faire les gens. Sous mon fort ou l'autre. Et l'Esprit bon Dieu révélé la main. Comme il y a dans trois vérités de mort. Pas gagné l'amour réel sans souffrance. Amen. Si vous voulez faire évangélisation, vous devez souffrir pour perdre un peu de temps. Vous devez souffrir pour apprendre la parole de Dieu. Vous devez souffrir pour passer temps dans la prière. Vous devez souffrir. Vous mettez de côté résistance, réticence, désobéissance, crainte et peur. Parce que l'apôtre Paul dit ça. Dieu ne peut rendre l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour les saluer depuis qu'on croit. Nous, en fait, n'a fait. Et nous, en fait, naître. Parce que nous gagnons. Cinq nouveaux diables qui ajoutaient comme couronnement fait à Nessa. Ça, c'est prélude de grandes fêtes. Des dernières fêtes, à soir et dimanche, Dieu. Mais ça, c'est un gros bagage. Un gros bagage. Parce qu'on jouait l'occasion, et ça peut arriver des présents pour bien une consécration des nouveaux ouvriers de ce ministère, et un jour Noël. C'est chance pas de me dire pour moi. C'est chance l'église pour bénéficier. Et moi, petite, monsieur Damoussaï, Marie, monsieur Damoussaï, Madame, monsieur Damoussaï, Zanmi, monsieur Damoussaï, et moi, l'église, ma mère. En fait, mais pas jamais dire la joie de la nouvelle. L'Ishita, la rédemption, et on va prouver ça, là où prend responsabilité pour le faire évangélisation. Parce que nous sauver. Capable, instruiment dans l'esprit de Dieu pour sauver l'homme. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu encourage, quel que soit le problème, difficulté que je vois, pas jamais oublier. Jésus toujours dit et toujours les anges pour dire ne crains point, ne crains point, va sans peur, le Saint-Esprit avec. Que bon Dieu bénisse.